Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous nous retrouvons sur Radio Cyclo pour la dernière étape du Tour de France des femmes, la huitième étape. Ça s'est terminé, pardon, de manière spectaculaire à la super planche des belles filles. Mais avant ça, il y avait le départ de l'Ure, il y avait l'état des routes avec André Bancala que nous allons retrouver. D'abord, une interview des Pitchouns. Hein, les Pitchouns, vous le savez, les médias Pitchouns, ils sont toujours sur le départ, sur l'arrivée, en intermédiaire, pour faire des interviews, pour faire des recettes. Ils ont été avec nous, on les en remercie tout au long du Tour de France des hommes, du Tour de France des femmes. Eh bien, les Pitchouns aujourd'hui, ils avaient avec eux une Néerlandaise, hein, il y en a beaucoup sur le Tour de France des femmes, une Néerlandaise, Hélène Van Dijk. Bonjour, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Je vais bien. Qu'est-ce que ça représente pour toi de participer au Tour de France? J'adore ça vraiment, il y a tellement de gens qui regardent et c'est vraiment très cool d'avoir tous ces spectateurs et d'avoir autant de personnes qui regardent ce qu'on fait, donc j'adore vraiment. Comment tu qualifierais ton premier Tour de France jusqu'à présent? Eh bien, je suis en grande forme. Je roule très bien, mais bon, malheureusement, on n'a pas encore eu de victoire pour l'équipe. Mais bon, il reste 2 jours, donc qui sait? Comment va l'équipe? Comment ça se passe? Eh bien, oui, l'équipe va bien. On n'a pas encore gagné, mais il nous reste 2 étapes. Donc, vraiment, on apprécie vraiment d'être là et on espère profiter encore. Comment tu te sens avant les étapes de montagne et surtout l'étape de la super planche des belles filles? Eh bien, je dirais que je suis un petit peu pas nerveuse, mais bon, on va dire que c'est pas ma spécialité de grimper, donc je vais faire de mon mieux, mais je pense pas que je pourrais aller très très loin, mais je vais faire ce que je peux pour ma leader. De quoi tu te rappelleras sur ce Tour de France? L'ambiance peut-être? Oui, c'est quelque chose de très spécial que je n'ai jamais vécu avant dans le cyclisme féminin, peut-être aux Jeux Olympiques ou dans les courses d'un jour, mais bon, ça toute la semaine, non, c'est vraiment, vraiment très spécial et un gros boost pour le cyclisme féminin, donc on adore ça. Les médias pitchouns toujours sur la ligne de départ, toujours en posant des questions en anglais, en français, ils sont formidables. Et toujours en face d'eux, eh bien, des interlocutrices souriantes, que ce soit des suiveurs, que ce soit des coureuses, toujours, toujours des belles interviews avec des questions pertinentes, c'est toujours au point. Voilà, donc c'était la dernière étape aujourd'hui. Et pour la dernière étape, eh bien, on va faire le point, on va en tirer les conclusions avec André Bancala des départements de France, qui s'occupe avec toute son équipe, qui s'occupe des routes. Bonjour André. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, donc on a atteint le but final, la super planche des belles filles, le Tour de France des femmes est terminé. Tout s'est à peu près bien passé niveau route. Oui, ça s'est très bien passé. On était sur quelque chose d'assez hétérogène en fait par rapport à un tour homme et par rapport aux expériences qu'on a, le retour qu'on a des hommes, puisque le tour homme, ça fait 27 ans que les services routiers, d'abord ceux des DDE, donc de l'État, puis ensuite les services routiers des départements avec Départements de France, sont sur le coup et sont en partenariat. Pour les femmes, c'était la première année, donc on n'était évidemment pas sur quelque chose de parfaitement équivalent et parfaitement géré à l'identique, premièrement. Deuxièmement, le calibrage qu'on a mis en place sur le Tour Femmes pour cette première édition n'était pas le même que celui qu'on utilise et qu'on met en place sur le Tour Homme. Il était un peu plus léger, un peu plus, un peu différent pour des raisons de mise en place. On peut pas arriver à l'excellence, appelons-la comme telle, ou en tout cas le niveau de service qu'on a mis en place sur les hommes, on ne peut pas le mettre comme ça sur le Tour Femmes pour une première année, même si on a fait déjà beaucoup, beaucoup de choses. Donc il y aura des bilans qu'il va falloir étudier et des retours d'expérience à mettre en face. Donc du coup,
des parcours assez hétérogènes pour nous. Je dis toujours, je me plais à dire que sur les hommes, on a une homogénéité de parcours qui commence le premier jour, y compris à l'étranger, et qui se termine donc là à Copenhague et qui se terminait à Paris sur les Champs-Élysées. Pour les femmes, ce n'était pas tout à fait pareil, puisqu'on a des départements qui étaient plus ou moins dans le coup, avec des départements qui ont mis plus ou moins de moyens. Je vais donner deux cas de figure opposés. Le premier, c'est la Seine-et-Marne, qui a fait un travail de préparation des routes, de nettoyage, de fauchage, de mise en place de quelques engins éventuellement pour intervenir en dernière minute, mais qui n'avait pas de personnel ou peu de personnel mobilisé et qui n'avait pas de protection, de bottes de paille mises en place sur le circuit. Et à l'inverse, l'étape d'aujourd'hui, cette étape en Haute-Saône, également sur le territoire de Belfort et dans les Vosges, où les trois départements se sont concertés et ont fait en fait une mise en place ISO Tour de France, c'est-à-dire exactement la même chose que sur le Tour. On ferme les routes plusieurs heures avant le passage de la course, la route est privatisée pour le passage de la caravane publicitaire, elle n'est pas ouverte entre caravane publicitaire et la course. Aujourd'hui, il y avait 400 gendarmes qui étaient mobilisés sur le long de l'itinéraire pour fermer les voies d'accès. On a utilisé plusieurs centaines de ballots de paille à exactement la même chose que ce qu'on avait fait pour le Tour Homme, et donc on était sur une sécurisation identique à celle qu'on avait pour les hommes, à la différence de certains départements qui l'ont joué un peu plus light, mais en suivant le cahier des charges, hein. Il n'y avait pas de défection, donc je pense que là, il va falloir qu'on travaille sur une homogénéisation de l'ensemble pour obtenir quelque chose qui soit identique, homme et femme, peut-être, ou en tout cas que sur un parcours femme, sur ce parcours féminin, on ait un traitement de la route qui soit le même de Paris jusqu'à la planche des Belles Filles et de je ne sais où jusqu'à je ne sais où l'année prochaine. Alors, on verra où est le je ne sais où à je ne sais où. Personne ne le sait pour l'instant. Un département qui était au point, c'est le département des Vosges. Est-ce que le Gros Léon a bien bossé? Alors, le Gros Léon n'y est pas. Il n'est pas sur le Tour Femme parce que… Ah, il n'était pas sur le Tour Femme. Oui, mais ta question est juste parce qu'il n'y était pas, mais il y était. Je vais t'expliquer pourquoi. Pas de Gros Léon sur le Tour Femme parce qu'on était au départ parti sur une route qui est une route ouverte à la circulation, puisqu'elle ne ferme qu'au dernier moment pour le passage du peloton. Donc, faire travailler un Gros Léon qui va balayer à droite, à gauche de la chaussée, qui va arroser à droite et ou à gauche, c'était quelque chose de dangereux. On aurait potentiellement pu provoquer des accidents. Il aurait donc fallu avoir des alternats. Il aurait fallu mettre une patrouille pour le protéger ou pour protéger les gens, prévenir les usagers de la route qui avaient une intervention en cours. Donc, c'était quelque chose qui était assez contraignant. Donc, pas de Gros Léon sur un Tour Femme parce qu'on est sur une route qui est ouverte et non pas une route privatisée. Mais aujourd'hui, Gros Léon était dans les Vosges et au pied du ballon d'Alsace, on le savait, hein, j'ai eu le plaisir de retrouver le camion, évidemment, pas que le camion, hein, mais également toute une équipe du département des Vosges qui l'avait positionné à cet endroit-là, balai en tête, au cas où. Alors, il n'est pas intervenu, il était hors course. Il était comme ces engins qu'on place en bordure d'itinéraire pour intervenir en cas de besoin. Et ben, on l'a retrouvé, il était là, toujours avec paré de ses couleurs Tour de France homme. Là, ce soir, il va probablement rentrer, enfin, même pas probablement, il est rentré au dépôt. On va lui démonter le balai, on va lui rajouter devant une épareuse ou je ne sais quel engin bizarre, pour qu'il puisse commencer à travailler sur d'autres choses que le Tour, c'est-à-dire ses tâches du reste de l'année, fauchage ou éventuellement déneigement quand c'est la période hivernale. Quand ça sera la période hivernale, on n'y est pas encore, vu la chaleur que nous avons en tout cas, on n'y est pas encore. Dédé, merci, je voulais te remercier de tes interventions, aussi bien sur le Tour de France des hommes que le Tour de France des femmes avec Zwift. Merci pour ta pertinence, merci pour ta disponibilité. On se retrouve a priori l'année prochaine, même si on ne connaît pas encore toutes les étapes, mais a priori il y aura 3 jours à Bilbao et en Espagne et la dernière journée à Paris, au moins celle-là. On les connaît. Ça, on en est sûr, en effet. Bilbao au départ, Paris à l'arrivée, et au milieu, moi, je mets un billet sur les Alpes et sur les Pyrénées. Oui, bah oui. Alors, les Pyrénées, tout de suite après Bilbao, et les Alpes en remontant peut-être, on n'en sait rien. Donc, on va jouer les petites pièces tout au long de l'année, et puis on en saura plus au mois d'octobre. Je crois que le et les parcours seront annoncés. C'est ça, c'est au mois d'octobre.
C'est ça, vers le 20, entre le 21 ou 27, je ne sais plus. En tout cas, c'est en effet vers la deuxième partie du mois d'octobre que ASO va nous expliquer ça, nous faire sa présentation habituelle. Cette fois-ci, d'ailleurs, qui sera, comme l'an dernier, une double présentation, puisque nous aurons le Tour Femme et le Tour Homme qui devraient être présentés en simultané. Donc, une belle journée en perspective et de belles étapes à venir. Voilà, et puis tu me remerciais de ce que j'avais pu apporter. Moi, je te et vous remercie là aussi de votre gentillesse, de votre disponibilité, du temps d'antenne accordé. C'est toujours très, très agréable de travailler avec vous et j'espère bien l'année prochaine qu'on se retrouvera dans les mêmes conditions. Eh bien, merci Dédoué, merci à toi et toute l'équipe. On se retrouve l'année prochaine ou dans l'année, si on va sur un Paris-Roubaix ou autre chose. Par exemple, bien sûr, bien volontiers, bien volontiers. À très bientôt. Voilà donc Dédé, hein, des départements de France qu'on a l'habitude de retrouver tous les jours, aussi bien sur le Tour de France homme que sur le Tour de France des femmes. On termine avec une interview du Média Pitchoun et après on passera à leur recette, hein, importante. Vous allez voir que c'est une recette et de saison et de circonstances par rapport à l'endroit où on se trouvait avec le Tour de France des femmes. Alors, qui c'est qui a terminé, qui a clôturé avec les Pitchoun, les médias Pitchoun aujourd'hui? Eh bien, c'est une journaliste d'Eurosport, je crois, de mémoire. Il s'agit de Laura Messeguer. Peut-être, Mickaël, est-ce qu'on peut relancer l'interview? Autrement, on va clôturer. Allez, on essaye de relancer l'interview de la journaliste d'Eurosport. Comment tu vas? Hello, je vais bien, good, merci. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Laura Messeguer, je suis journaliste pour Eurosport Espagne et je travaille pour Eurosport International sur ce Tour de France Femmes. Depuis combien de temps tu fais ça? J'ai fait ma première Vuelta en 2007, donc c'est mon 21e grand tour avec la Vuelta cette année, et depuis je couvre uniquement le cyclisme professionnel. Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail? Eh bien, j'adore le fait que c'est un travail vraiment passion. Tout le monde est tellement passionné par ce qu'ils font. J'adore l'histoire que les cyclistes racontent. Le cyclisme, c'est une métaphore de la vie et de se battre, de poursuivre ses rêves, ses objectifs. Donc, je trouve beaucoup d'inspiration dans leur histoire. La sélection pour être journaliste sur le Tour doit être très difficile. Mon premier Tour de France était en 2014 et puis c'était une énorme opportunité de travailler pour Eurosport International. Et puis depuis, je n'ai jamais arrêté de couvrir tous les Tours de France, ce qui est vraiment super parce que quand tu en rates un, forcément que tu voulais être là. Et je pense que c'est surtout un privilège d'être ici et c'est pas facile d'être sélectionné et d'avoir cette opportunité, donc on doit profiter comme on peut. Qu'est-ce que ça t'apporte de travailler dans un média avec autant de langues étrangères? Eh bien, je trouve que c'est vraiment amusant et vraiment enrichissant de travailler pour Eurosport International. Tu dois travailler pour différents marchés. Ça te permet d'interviewer tellement de coureurs différents, de pays différents, pouvoir avoir plusieurs perspectives et différentes histoires aussi. Donc, c'est un aspect que j'aime beaucoup dans mon travail. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fait ce métier? Si je n'avais pas été une journaliste, je ne sais pas trop. Je sais que j'aime beaucoup le cinéma et oui, travailler là-bas ou dans la photographie. Mais bon, il s'est passé quelque chose et je suis arrivée ici dans le cyclisme, mais ce que j'adore. Mais je pense que oui, j'aurais travaillé dans les cinémas. Et à propos de ton meilleur moment ou ton meilleur souvenir? Oh, mon meilleur souvenir, il y en a tellement, c'est impossible à dire. Mais je pense surtout les moments qui ont été les plus difficiles. Ils sont très spéciaux. Oui, vraiment, les victoires à travers la douleur qui ont été difficiles à accomplir. Oui, les étapes les plus difficiles, les jours les plus difficiles pour les coureurs. C'est là où ils parlent le plus ouvertement de ce qu'ils ressentent, donc ce sont les meilleurs jours pour moi. Thank you very much. Thank you. Thank you.
Le média pitchoun sur tous les fronts. Hein. Quand ils sont pas sur la ligne de départ ou l'arrivée à interviewer, ben, ils nous préparent, ils nous présentent leur recette qui colle à l'étape. Hein. Toujours une recette régionale. Eh bien, aujourd'hui, on va se régaler. C'est le dessert. On a terminé le Tour de France des hommes, le Tour de France des femmes. C'est comme si on terminait un bon repas. Et après un bon repas, il y a un dessert, la tarte aux myrtilles. Bonjour à tous, je m'appelle Najwa et moi Dylan. Bienvenue dans notre dernière rubrique Les mains sur les cocottes. Aujourd'hui pour cette dernière recette, nous allons faire avec vous une recette du tarte aux myrtilles. C'est une recette vraiment facile à préparer et en plus ça va émoustiller vos papilles. La tarte aux myrtilles est un dessert de saison en particulier dans les régions montagneuses où poussent les myrtilles. Dans les Vosges, elle est appelée tarte aux brimbelles. Pour cette recette, il vous faudra les ingrédients suivants. De la pâte sablée, crème fraîche, du sucre, 3 œufs, des amandes. Et sans oublier, voici nos fameuses myrtilles que nous avons été ramassées dans les montagnes avec notre brimbelle du jour, Najwa. Maintenant que vous avez tous les ingrédients, passons à l'action. Commencez par préchauffer votre four à 210 degrés, piquez la pâte avec une fourchette et la saupoudrez de poudre d'amande. Il vous faudra garnir la pâte avec les myrtilles pour après faire cuire au four pendant 15 minutes à 210 degrés. Pendant que la pâte cuise, mélangez la crème, le sucre et les œufs. Maintenant que nos aliments sont bien mélangés, versez la préparation sur la pâte. Et pour finir, cuire au four la pâte pendant 15 minutes à 210 degrés. Et voici notre délicieuse tarte aux myrtilles faite à maison. Pour conserver une tarte aux myrtilles, enveloppez-la avec du papier d'aluminium ou du film plastique ou encore congelez-la dans un sac de congélation résistant. Merci à tous et merci Brimbelle. On vous souhaite une bonne dégustation et espérons que vous avez bien voyagé avec nous dans ces deux tours de France et pas trop prise de kilos pour être prêt pour la plage. Bon appétit et à l'année prochaine. Pris trop de kilos, ça c'est pour aller à la plage avec tout ce qu'ils nous ont présenté pendant un mois, ouais, parce que 3 semaines du Tour de France des hommes, 1 semaine Tour de France des femmes, ça fait un mois avec les journées de repos, voilà, mais ils nous ont fait voyager, c'était plutôt sympa. Il est l'heure de parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, donc il y avait une étape spectaculaire, en tout cas au lendemain de son étape, de sa spectaculaire prise de pouvoir au Markstein hier, Annemiek van Vleuten a enfoncé le clou lors de la 8e étape et dernière étape aujourd'hui en remportant ce dimanche une 2e victoire personnelle, une nouvelle fois en solitaire. Hein. On sait que quand elle appuie sur les pédales et que ça grimpe, elle est là. Alors, maillot jaune sur le dos aujourd'hui, la leader de l'équipe Movistar attaquée au pied de la super planche des belles filles à 5,4 à peu de choses près kilomètres de l'arrivée. Pour paraffer de la plus belle des manières son succès final au classement général, oui, vous l'avez compris, elle a gardé son maillot jaune et elle a gagné ce Tour de France des femmes. La Néerlandaise de 39 ans devient ainsi la première lauréate de ce Tour de France des femmes avec Zwift. Cette ultime journée n'a pas ressemblé à une balade de santé pour tous les autres, hein, ni pour elle, puisque elle a changé 4 fois de vélo parce qu'elle a eu des problèmes. Van Vleuten a eu quelques sueurs froides, mais tout est rentré dans l'ordre. Elle a eu quelques sueurs froides, notamment
au moment et à l'approche de grimper le ballon d'Alsace, le fameux ballon d'Alsace, où elle a dû faire la jonction seule avec le peloton. Elle était derrière, elle a recollé et puis après, on ne l'a plus vue. Sa principale concurrente, Demi Vollering, la néerlandaise aussi, a tout tenté pour la renverser, mais sans succès. À l'attaque de la montée, puis de la descente du ballon d'Alsace, la porteuse du maillot jaune, la porteuse du maillot à pois, c'est-à-dire Demi Vollering, a finalement pris la deuxième étape du jour en terminant son rang de dauphine au général. On les applaudit toutes les deux. Le podium du tour est complété par la Polonaise qui était là depuis le début, Katarzyna Niewiadona de l'équipe Canyon. La première Française, Juliette Labousse, qui s'est illustrée aujourd'hui, se classe quatrième de l'étape. Alors, les maillots, maillot jaune, un classement final, puisqu'on était à la dernière étape. C'était attendu, la Néerlandaise Annemiek van Kleuten, qui a pris le maillot jaune hier, est première et gagne son premier Tour de France devant l'autre néerlandaise Demi Vollering, qui termine d'ailleurs première au classement du maillot à pois, la meilleure grimpeuse, et en troisième position, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, qui reste troisième. Elle l'a été quasiment pendant tout ce Tour de France des femmes. La première Française, Juliette Labousse, se classe cinquième de ce Tour de France. Pour le maillot vert, eh bien, ça n'a pas changé, quasiment aussi depuis le début. C'est donc Marianne Vos, la Néerlandaise, qui remporte ce classement par points. Voilà, ce Tour de France des femmes est terminé. Qu'il me soit ici possible de remercier toute l'équipe de Radio Cyclo, Radio Cyclo Tour, Michael à la technique, Fabrice Aran, notre chef d'orchestre sur le Tour de France des hommes, qui c'est qu'on avait avec nous, Étienne Bonamy, Alain Vernon, Dédé Bancala, on en a eu plein, on a eu Morad Aïtabouche sur le début du Tour de France des hommes, nos stagiaires Cléa et Rémi, voilà, tout le monde a bien travaillé, si j'en ai oublié, excusez-moi, on se retrouve l'année prochaine au départ du Tour de France Hommes à Bilbao. À bientôt les amis.